Bravo. Allez, bravo, monsieur, je vous donne une ovation pour celui qui va venir s'imposer, Damien Achard. Ok, dans la deuxième édition, le train du vainqueur. Damien Achard, vainqueur de cette deuxième édition du train du Gerbier de Jean. Au bout de l'effort, le point serré. Bien. Super. Pas perdu. Allez, Fabien qui est allé évidemment au bout de l'effort. On va lui laisser quelques secondes de répit. Pas plus hein, parce qu'il a gagné, donc forcément on ne le laissera pas se reposer. Fabien, il y a un point serré. C'était l'objectif ce matin au départ d'aller faire une performance. Non, je voulais donner un fond et putain, je me suis pas raté. Bon, un petit mot sur le parcours, t'as rapidement été en tête, t'étais au courant un peu des écarts, t'avais des infos ou t'as fait tout le temps la sensation? Non, j'avais jamais eu aucun écart. Donc je gérais comme je pouvais, quoi. Je pouvais pas plus vite. Je sais pas du tout les écarts qu'il y a. Quoi. Donc, moi j'ai souffert, quoi. C'était horrible, quoi. C'est... Bon, un petit mot, là-haut, les conditions au sommet du Mont Gerbier de Jean, c'était quoi? C'était froid? C'était brumeux? Non, mais le Gerbier, c'était pas le pire, en fait. C'est après, en fait, entre le Gerbier et les Croix des Boutières. C'était la neige de partout, même quand c'était plat, on n'arrivait quasiment pas à courir, tellement qu'il y avait la neige. Là, c'était hard, quoi. Voilà. Allez, ben moi, je vais vous demander, mesdames et messieurs, ce qui est allé au bout de l'effort, je vais vous demander un maximum d'applaudissements pour Fabien Merchant, le vainqueur.